et je refuse. Quelqu'un m'a dit, je refuse que quelqu'un puisse m'extraire à la bénédiction sur la terre. Et je refuse que quelqu'un puisse limiter ma vie sur la terre. Avec moi, dit Dieu, dit vrai. Il m'a créé pour la bénédiction. Il m'a créé pour la bonne santé. Il m'a créé pour l'élévation. Il m'a créé pour distinguer sur la terre. Ce soir, je déclare ma vie est entre les mains de Dieu. Est-ce que tu peux l'acclamer? Comment maudirait celui que Dieu n'a point maudit? Ne te permets jamais que quelqu'un puisse te maudire. Ne te permets jamais que quelqu'un puisse te repousser. Ne permets jamais que quelqu'un puisse te dire, tu n'avanceras pas. N'accepte jamais que quelqu'un vienne te dire, ta vie est limitée là. Dis-lui, non. Et comment dirais-je? Irrité quand Dieu ne peut irriter. Et là aussi, c'est un problème. Quelqu'un ne donne jamais l'accès à quelqu'un puisse se fâcher contre toi. Et dis à celui qui veut toucher à ta vie, écoute-moi ce soir, tu vas parler à celui qui veut toucher à ta vie, et tu diras à celui qui veut toucher à ta vie, dis-lui clair. Il y a des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Et ces choses que l'œil n'a point vues et que les oreilles n'ont pas encore entendues. Je suis pour ces choses-là. Et ces choses que mes parents n'ont jamais encore vues, ils n'ont jamais réalisé. Mais moi, je vais réaliser. Amen. Tu ne vas plus jamais me maudire parce que Dieu ne m'a pas maudit. Amen. Tu ne vas plus rejeter ma vie parce que Dieu ne m'a pas rejeté. Bien-aimé, il faut apprendre à faire des filles sur ton problème, sur ton ennemi, sur ce qui veut te renverser. Et renverse-le avec le nom de Jésus. Je ne serai jamais maudit. Et personne ne sera irrité contre ma vie, contre ma destinée, contre ce que je vais. Parce que Dieu n'est pas irrité contre moi. Et là aussi, c'est un problème. Vous savez, le valeur ou la vraie valeur d'un chrétien, c'est demeurer dans sa parole. La vraie valeur d'un chrétien, marcher avec l'ordonnance de Dieu. La vraie valeur d'un chrétien, comprendre que ses parents n'ont pas encore vécu les choses que l'œil n'a pas encore vu et l'oreille n'a pas encore entendu. Les oreilles n'ont pas encore entendu. Alors, je vais réaliser ces choses-là. Quand tu parles avec tes parents, quand tu parles avec ceux qui t'entourent, dis-les des choses que l'œil n'a point vu. Et que l'oreille n'a pas entendu, je suis pour ces choses-là. Il faut que le monde entende quelque chose que toi tu dois réaliser. Il faut que les yeux de ceux qui t'entourent voient une distinction que Dieu fait au travers de toi. Mais tout cela, si on l'aime, Dieu est capable de faire des choses au-delà. Si nous l'aimons, Dieu peut combattre nos ennemis au-delà des chars de combat. Amen. Au-delà de la sorcellerie, au-delà de l'échec, au-delà de blocage, au-delà de maladies, au-delà de tout ce que vous connaissez. Dieu peut faire au-delà. Amen. Mais question de l'aimer. Job l'aimait, mais Dieu au-delà, il le guérit. Le verset 9 me dit, on peut lire cela, nous sommes au nombre 23, le verset 9 me dit, je le vois au sommeil des rochers, je le contemple du haut des collines, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Celui dont Dieu révèle par sa parole, pendant qu'il marche, et cette personne est en train de marcher comme Dieu. Et si l'on veut te maudire, on ne te verra pas sur terre. Et si on veut te toucher, on ne te touchera pas. Et si on veut reculer ta vie en arrière, non, toi tu marcheras toujours en avant.
Et si on veut te dire que tu ne passeras pas, il n'y aura pas de barrière dans ton chemin. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu a deux choses qu'il a préparées pour ceux qu'il aime. C'est pourquoi nous avons l'intérêt de main Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de nous remettre entre les mains de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de vivre juste pour lui. C'est pourquoi nous avons besoin de nous recueillir que dans sa présence. Même si je suis fatigué, même si tu sens que quelque chose ne marche pas, mais laisse-moi te dire les choses que l'œil et les oreilles n'ont pas entendues, c'est ces choses que Dieu veut réaliser. Je veux que tu comprennes, il y a quelque chose que tu n'as jamais vu dans ton clan. Mais Dieu t'amène à voir des choses au-delà de ce que vous avez encore vu dans votre famille. Et des nouvelles, ce n'est pas de mauvaises nouvelles. Vous savez, dans nos familles, nous avons souvent de mauvaises nouvelles. Autour de nous, nous avons souvent de mauvaises nouvelles. Et ce qui nous repousse, il y a ce qui ne nous aime pas, il y a ce qui parle mal de nous, de mauvaises nouvelles. Mais auprès de Dieu, il y a des choses qu'il a préparées. Qu'il a déjà préparé. Mais pour que cela s'accomplisse, que l'on puisse l'aimer. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Et la Bible est en train de dire ceci. Ce peuple qui a sa demeure à part, avoir un demeure à part, un demeure, c'est ton existence. Et à part ce qui est à toi et ce qui renferme ta vie et ton existence est à part. Et comme c'est à part, aucun nom, aucune puissance ne peut limiter ni faire quoi que ce soit si c'est ce qui t'appartient. Pourquoi? Parce que ton demeure est à part. Là où tu vis n'est pas là où les autres vivent. Amen. Toi, tu vis dans le royaume de Jésus-Christ. Ce qui t'appartient est dans le royaume de Jésus-Christ. Et ce que tu attends, c'est des choses que l'œil n'a point vu et les oreilles n'ont pas entendu. Ces choses dont Dieu les a préparées pour que toi, tu puisses posséder. Et comme tu les possèdes, personne ne pourra prendre cela. Personne ne pourra maudire cela. Personne ne pourra tuer cela. Et toi, tu vivras. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu te tient par sa main. La Bible dit que ce peuple, on ne peut pas le maudire. Pourquoi? Parce que le demeure de ce peuple est mis à part. Et ce demeure est où? Est caché en Dieu. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus mes enfants qui vivent, c'est Christ qui vit dans mes enfants. Ce n'est plus ma femme qui vit, c'est Christ qui vit dans ma femme. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Oui, parce que le demeure de Paul était un mis à part. Alors, on ne touche pas. Alors, on ne touche pas. On ne touche pas ce qui t'appartient. Ce peuple, on ne le maudit pas. Je ne peux pas maudire ce peuple. A-t-il un Balak? C'est que l'ayant déjà vu comment les gens meurent dans votre clan? A-t-il déjà vu Balak, la maladie, le péché, toutes ces choses dans votre famille? A-t-il déjà vu la pauvreté de votre clan? Est-ce que tu te limites là? Dieu dit ceci. Il a pour toi des choses que l'œil n'a pas vues. Les oreilles n'ont pas encore entendu. Mais pendant que tu vas l'aimer, il va faire des choses. Cette fois-là, les gens diront, waouh, ces choses, c'est nouveau. On n'a jamais vu. Une bénédiction grande, puissante, qui ne se brisera jamais. C'est comme Dieu dit à Abraham, tu seras béni de génération en génération. C'est ces choses-là. Il peut, Abraham pouvait manger, Abraham pouvait vendre, mais il ne pouvait pas s'épuiser. C'est ça, pendant que l'on a Dieu, on marche avec Dieu. Ce qui est avec Dieu ne s'épuise pas, ne finit pas, ne doit pas être gâté. Et ces choses doivent exister. C'est pourquoi il ne faut pas aimer Dieu comme tu blagues. C'est pourquoi il ne faut pas servir Dieu comme si tu veux faire le bébé. Il ne faut pas jouer un jeu de cache-cache. Il est un Dieu, il peut t'amener très loin. Parce qu'il a encore avec toi des choses qu'il a préparées. Mais il faut l'aimer. Les choses que l'œil n'a pas encore vues. Les choses que les oreilles n'ont pas encore entendues. J'attends accomplir ces choses dans mon ministère et dans ma vie, dans ma famille.
C'est pourquoi la Bible dit, ce peuple qui est mis à part, je le vois au sommet du rocher. Le rocher, c'est le Seigneur. C'est là où que tout ce qui est en nous et tout ce qui nous appartient doit être au sommet. Quelqu'un est d'accord avec moi? C'est pourquoi l'autre dimanche, je vous ai parlé, Dieu dit, je suis, tu seras la tête. N'est-ce pas? Dis sommet. Dis, je suis au sommet. Tu seras la tête. On avait partagé. Dieu dit, tu seras la tête et non la queue. Et si on dit, ce peuple n'est pas en bas, mais il est au sommet. Donc il dit que ce peuple est la tête, on ne peut pas le toucher. Et la Bible dit encore, je le vois au sommet du rocher. Ce n'est pas n'importe quel sommet. Le rocher, c'est Dieu. C'est pourquoi je parle, un enfant de Dieu, une famille dans le Seigneur, on ne peut pas le maudire. Même si on le touche, mais cette famille n'est pas sur cette terre, parce qu'ils ont un demeure mis à part, du mis à part. Pourquoi? Parce que ce peuple n'est pas sur terre, il est au sommeil. Et quel sommeil? Ce n'est pas un sommeil d'un montant du Canada, mais un sommeil qui est le rocher, le créateur de toute terre. Alléluia! Et si tu es avec le Dieu de toute hauteur et il t'amène dans son hauteur, tu ne descends pas. Et l'hauteur que Dieu t'amène, personne ne peut toucher, personne ne peut te faire descendre. C'est la dimension de ta bénédiction, c'est la dimension de ta santé, c'est la dimension de ta sécurité. Il te fait monter à son hauteur, à sa sommet en lui, parce qu'il est le rocher. Et la Bible ajoute ceci. La Bible dit, je le contemple du haut. Il faut que notre ennemi puisse le voir. Nous ne sommes pas de même génération, ni de même dimension, ni de même plateau, ni de même terre. Non, il faut que notre ennemi nous voit, nous sommes en haut. Amen. Et s'il veut nous descendre, Dieu nous a dit, nous ne sommes la tête et non la queue. Et s'il veut t'amener n'importe quoi, la Bible dit, tu seras toujours en haut et non en bas. Ah, quand Dieu pousse un cri, ne descends pas. Toi, quand un problème arrive, tu commences à descendre down, comme en anglais. Non, reste en haut. Si vous voyez Moïse aller pour prendre la révélation, il est allé sur les montagnes. Reste avec cet esprit de rester très haut, sur les montagnes, sur le rocher, pour chercher Dieu. La vie de prière, venir à l'église, servir Dieu. On ne te pousse pas. Reste toujours à l'autel. Reste toujours à la tête. Dieu dit, vous serez toujours la tête. Et non la queue. Vous serez toujours en haut. Et non en bas. Même à la dimension de mes dieux, de servir Dieu, il faut qu'on soit à la tête. On soit à l'autel. Et c'est ce que la Bible dit. Ces peuples sont au sommet du rocher. Je le contemple du haut des collines. Cette colline, c'est toujours la dimension. C'est un peuple qui est à sa demeure, qui a sa demeure à part, et qui ne fait point partie des nations. Ça aussi, c'est un problème. Attends cette parole. Je finis là. Laisse-moi te dire, dans ta vie, tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi il ne faut pas te négliger. Ne faut pas te faire n'importe quoi. Crois-toi que toi, tu es un mis à part. C'est pourquoi on va dire, nous tous, nous sommes des Africains. Nous tous, nous sommes des Canadiens. Non, nous sommes des mis à part. Nous ne sommes pas de ces nations ici. Nous sommes des nations célestes. Nous sommes des nations de Jésus. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous vivons dans son royaume. Nous sommes sécurisés par son royaume. Même si la guerre s'élève, même si des obis s'élèvent, même si les attaques s'élèvent, même si des maladies s'élèvent, nous ne sommes pas de cette nation. Nous sommes des mis à part de Dieu. Ah, pousse un cri, acclame Jésus. Et quelqu'un m'a dit, tu sais, nous dans notre famille, on est toujours pauvres. Et tout va rester comme ça, comme tout le monde. Non! Nous sommes de notre nation. Que Dieu vous bénisse.